Alors, je sais que votre maman vous a parlé déjà hier. Je sais pas trop ce qu'elle vous a dit d'ailleurs. Voilà, on a décidé de se séparer. Oula. Et moi, je vous aime toujours autant qu'avant. Et je serai toujours votre papa. Ça changera jamais. Mais pourquoi tu nous dis ça, papa? C'est vos histoires. Après, quand tu reviendras à la maison, on en parlera plus, c'est tout. Allez, attends, je vais faire un risotto. Oui, risotto. Ce n'est qu'un homme qui tombe. J'étais lamentable. Arrête, sente que tu les aimes. C'est ça le plus important. Or que tu nous aimes plus. Ça va pas, non. Pas facile pour elle, tout ça. Tu crois que c'est facile pour nous? Vous passez votre temps à nous dire que c'est pas grave, tout ça. Que rien n'a changé. Alors que tout a changé. Ah, ah, que belle avancée que tienne. Viens dîner à la maison samedi soir. Je peux pas ce week-end, j'ai les enfants, j'ai prévu plein de trucs avec eux. Arrête avec les enfants, tu deviens con. Hein. Isa, je te présente Antoine. Antoine, Isa. Alors c'est vous, Antoine. Bon alors, quelqu'un passe par le vieux port? Oui, nous on passe par le vieux port, hein, Antoine. Léo, s'il te plaît, tu arrêtes avec tes plans gonzesses, là. Je n'ai pas envie. Mais c'est pas des pépites, ça. Quoi? Je sais pas, chez mes parents, il y en a toujours. Chez qui? Chez maman, je veux dire. Alors votre mission, les enfants, ce matin, si vous l'acceptez, c'est qu'il va falloir me rendre cette cabane un peu plus rigolote. Pourquoi tu veux pas lui casser la gueule? T'as peur de lui? Vincent, maintenant tu m'emmerdes. Vincent, arrête. Tu sais, mon père a divorcé 3 fois et je l'adorais.